Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une partie de Imperial Settlers Roll and Write. C'est un jeu donc de la gamme Imperial Settlers que je n'ai pas en jeu de plateau, mais j'ai Empire du Nord que je trouve très sympa. Donc là, j'avais envie de m'essayer au Roll and Write. En plus, c'est un jeu que j'ai eu en promotion, donc je ne me suis pas privée. Donc le but du jeu, ça va être de construire un empire en bâtissant des murs avec la ressource pierre, en bâtissant des maisons avec la ressource bois, des greniers avec la ressource pomme ou nourriture, et des ponts sur cette ligne-là. Les ponts, une fois qu'ils seront bâtis, c'est-à-dire que là, le pont sera bâti si j'arrive à cocher ces deux cases-là, ce pont-là, ces deux cases-là, etc. Quand un pont est bâti, il me donne accès à un champ en vert. Donc ce pont-là me donne accès à ce champ-là, ce pont-là, celui-ci, ce pont-là, celui-ci, et ce pont-là, celui-ci. Voilà, donc je peux construire donc sur cette feuille Empire. Je peux également construire des monuments sur ce bloc de feuille. Quand je construis des monuments, c'est-à-dire quand j'aurai coché les trois cases qui lui correspondent, je récupérerai des options supplémentaires. Le but du jeu en mode solo, c'est de faire le plus de points possible pour arriver au tableau d'honneur. Bon, sur ce jeu, je n'ai fait avec ce jeu qu'une partie. Je suis arrivé au niveau baron. Bon, peut-être que j'ai manqué des petites choses. Donc le jeu est livré avec ce bloc de feuilles, un bloc de monuments, tous identiques, et un bloc de monuments avec 48 pages différentes pour faire un mode aventure en mode solo, chacun des monuments ayant des options différentes. Là, j'ai décidé pour cette partie d'utiliser le bloc basique. Donc à chaque tour de jeu, on va lancer des dés qui vont nous apporter des ressources, qui vont nous indiquer combien d'actions on peut faire. Une action étant correspondant à soit je construis en cochant une case, ou soit je récolte en récoltant une ressource dans un champ. On a également des tuiles faveur, qui sont des tuiles nous offrant des options. Et je vais donc en piocher 3 qui serviront tout au long du jeu. À chaque tour de jeu, j'en choisirai une. J'ai l'action aubaine. Je pourrais choisir un des ressources et gagner une ressource en plus. Par exemple, si je choisis un dé avec du bois, je pourrais utiliser deux bois. J'ai la tuile production. Choisissez un des ressources et récoltez cette ressource gratuitement. Et sous fétiche, je gagne une pièce d'or, sachant que la pièce d'or me remplace n'importe quelle ressource. Donc c'est quand même des tuiles qui sont assez sympas, on en utilise une à chaque tour de jeu, le jeu se déroulant en 10 tours. J'ai également téléchargé cette feuille. Cette feuille, elle permet de comptabiliser à chaque tour de jeu, donc les 10 tours, combien d'actions on peut faire, donc ça correspond à ce petit ouvrier, et combien j'ai de ressources à dépenser autour de ce tour. Parce qu'en fait, il y a une sorte de moteur qui se met en place avec ce jeu et on peut vite ne plus trop savoir où on en est. On a également des plans ici qu'on peut construire. Si j'arrive par exemple ici à cocher cette case-là et cette case-là, je vais pouvoir construire ce plan-là. Et ça me permettra, au lieu de gagner juste une nourriture, d'en gagner deux. Voilà. Donc c'est quand même une option. Il faut essayer aussi de faire tout ça. Pour arriver à récolter le plus de points possible. Voilà, donc la partie peut commencer. J'ai fait une petite coupure parce que là je viens de faire une partie qui était vraiment pas terrible et je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux comme on dit. Donc là je vais refaire une partie et essayer de bien me concentrer. Premier tour de jeu, donc je lance les dés. Je peux faire 3 actions. Je peux utiliser un bois, une pomme et une pierre. Je vais choisir cette huile-là. Quand je vais choisir un des ressources, je gagnerai plus un de cette ressource. Donc je vais choisir par exemple les bois et je vais gagner deux bois. Première action. J'utilise mes deux bois pour cocher cette case. Cette case, comme elle entoure les deux bois, elle ne compte que pour une action. Là, si je voulais par exemple cocher les deux pommes, ça me compterait deux actions parce qu'il y a deux cases différentes.
Deuxième action, je vais utiliser la pierre. Je vais utiliser la pierre pour construire ce monument. Et troisième action, je vais cocher une pomme. Voilà, mon tour de jeu est terminé pour ce premier tour. Deuxième tour. Deuxième tour, j'ai 5 actions, ce qui est pas mal. Parce qu'il faut savoir que ce dé, en fait, il y a surtout des 4. Hein. Il y a 1 fois 5, 1 fois 3 et 4 fois 4. J'ai 2 pommes et 1 bois. Alors, je vais cocher les cases vides, compte pour une action, on ne dépense pas de ressources. Donc, je coche ces deux cases-là. Elles me permettent de construire ce pont et d'accéder donc au premier champ. Ensuite, je vais utiliser un bois pour construire, continuer de construire ce qu'ils appellent les colons. Et les deux, donc ça me fait une action. Et ensuite, les deux pommes me font les deux actions suivantes pour cocher une fois. Ah, mais je peux pas, là je suis obligée de cocher cette case là. Donc j'utilise pas cette ressource, mais j'utilise la cinquième action pour cocher cette case là. Il me reste donc une pomme que je ne peux pas utiliser. Le deuxième tour est terminé. Troisième tour. Donc j'ai le droit à 4 actions. 1, 2, 3, 4. 2 bois. Et une pièce d'or. Alors j'utilise une action pour cocher cette case. Donc les colons sont construits. Je peux donc gagner une action au prochain tour si j'ai deux ressources identiques. Ensuite, les deux bois, je coche cette case. Donc ça sera ma deuxième action. Troisième action. Je remplace ma pièce par une pierre. Et quatrième action, je coche ici pour entamer le deuxième pont. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai oublié d'utiliser une tuile, mais en même temps, là, ça ne m'apporte pas grand-chose. Parce que je n'ai pas beaucoup d'actions à ma disposition. Voilà, troisième tour. J'ai le droit à 4 actions et j'ai 3 bois. Comme j'ai au moins 2 dés identiques, j'ai 3 bois, je peux gagner une action supplémentaire. Alors, première action, je vais utiliser un bois pour cocher ici. Deuxième action, je vais cocher ici. Troisième action, ici. Ma ferme est construite, je pourrais gagner une pomme au prochain tour. Ensuite, quatrième action, je vais récolter un bois. Ce qui m'en fait 2, il m'en reste 2. Et cinquième action, je coche cette case qui nécessite 2 bois. Voilà, mon tour est terminé. Bon, faut que je pense à utiliser les tuiles faveur, là, parce que j'y pense pas trop. Alors, 4 actions. J'ai 2 pommes. 1 bois. J'ai le droit à une pomme supplémentaire grâce à la ferme qui est construite. J'ai le droit également, puisque j'ai 2 pommes, à une action supplémentaire. Au niveau des ressources,
Je vais prendre celle-ci. Choisissez un des ressources et gagnez une ressource en plus. Je vais choisir le bois et je gagne un bois en plus. Alors, je vais utiliser une action pour cocher une pomme ici. Une action pour cocher une deuxième pomme. Une action pour cocher un bois ici. Là, mon pont est construit. Donc j'ai accès à ce deuxième champ. Je vais utiliser une action pour construire ici. Et je pense que j'ai déjà... Bon non. Il me reste encore une action. Donc il me reste une pomme. Un bois. Je vais utiliser le bois et je vais cocher ici parce que la forteresse permet avec un bois, une pierre de marquer 3 points en fin de partie. Voilà, donc le troisième, le quatrième, le cinquième tour est terminé. Ça va très vite hein, en fait. Bon, en même temps, là, je réfléchis pas trop. Alors, 4 actions. 1, 2, 3, 4, 2 bois et une pomme. Je gagne une pomme supplémentaire grâce à la ferme. Grâce au colon, je gagne une action supplémentaire parce que j'ai 2 ressources identiques. Donc là, j'ai pas de pierre. Là, je vais prendre cette tuile-là qui va me permettre de gagner une pièce d'or que je vais transformer en pierre. Alors, donc j'ai pas pensé, il faut que je pense à construire les plans qui sont là. Parce que ça va me permettre quand même de gagner, là par exemple, celle-ci, là, que j'aurais pu construire autour d'avant, comme ceci. Me permet de gagner une action supplémentaire que je vais mettre ici. Alors, j'utilise 2 actions pour cocher les 2 pommes ici. Ensuite, les bois. Les 2 bois, ça me prend une action pour cocher ici. J'utilise cette pierre, cette pièce-là, pour faire une pierre, je coche ici, ce qui me donne un pont supplémentaire. Je vais récolter une pierre ici, donc j'ai une pierre que je coche ici. Voilà ma 6e action. Et le 6e tour est terminé. Alors, 4 action, une pomme, un bois, une pièce. Donc j'ai une pomme supplémentaire grâce à la ferme. Par contre là, je n'ai pas 2 des ressources identiques, donc je ne peux pas gagner d'action supplémentaire.
Alors là, je vais cocher mes deux pommes. Ça me fait deux actions. Je vais récolter ici deux pierres. Et je vais cocher cette case qui contient deux pierres. Voilà ma quatrième action. Il me reste un bois que je n'ai pas utilisé. Là, je peux construire l'architecte, là, ce plan ici. Toutes les cases sont cochées pour faire ceci. Et ça me rapporte donc 8 points. Donc je vais déjà avoir 8 points. Je vais déjà les noter là. Donc le septième tour est terminé. Huitième tour. Donc j'ai 4 actions. J'ai pas le droit à des actions supplémentaires parce que je n'ai pas 2 dés identiques. Donc j'ai une pomme, un bois, une pierre. Je vais choisir un dé ressources et je gagne une ressource supplémentaire et je vais faire une pierre en plus. Alors, une action, je coche mes deux pierres. Donc j'ai une pomme en plus, là j'ai oublié. Je vais récolter deux bois que je vais cocher ici. Et il me reste une action, les pommes. Voilà, je coche ici. Bah, il me reste des ressources, hein. C'est pas optimisé au maximum. Hein. En fait, les champs du bas, là, quand même, ils permettent de récolter la trois pierres, trois bois. Donc, il faut essayer quand même d'accéder au maximum, sachant que ce pont-là, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même cocher toutes ces cases. Voilà, le huitième tour est fini. Neuvième tour. Trois actions. Deux pièces et une pierre. J'ai une pomme en plus grâce à la ferme. Et grâce au colon, j'ai deux actions en plus. Et donc là, je vais prendre ceci pour récupérer une pièce supplémentaire et je verrai ce que j'en fais ensuite. Grâce à une action, je vais récolter les trois pierres qui sont là. Et une deuxième action, je vais cocher ici. Ensuite... Avec une troisième action, je vais cocher une pomme ici. Cette action-là, j'utilise mes trois pièces pour faire trois bois. Il me reste une action avec juste une pierre. Donc là, il m'en faut 3. Ben, je vais cocher ici, ça me fera 3 points en plus en fin de partie. Voilà. Là, je peux construire ici, comme ceci, avec cette forme-là, cette ferme. Donc je vais gagner 2 pommes au prochain tour. Et dernier tour. Donc je peux faire 4 actions avec une pomme, une pierre, un bois. Je récupère grâce à la ferme, 2 pommes en plus. Par contre, j'ai pas de dés identiques, donc je ne peux pas avoir 2 actions en plus, et c'est bien dommage. Alors, avec un bois, une pierre, non, je ne peux même pas construire ce pont.
Là, j'ai tout récolté. Là, j'ai que des choses simples à récolter. Alors, avec un bois, une action, la pierre, une deuxième action, ça me fera toujours 3 points. Troisième action, je coche ici une pomme. Et quatrième action, je coche ici une pomme. Voilà, donc là c'est terminé. J'ai pas pris de tuiles, mais je sais pas, ça m'aurait pas donné grand chose de plus. Parce que là on est quand même sur des multiples de 3, hein. 3 pierres, 3 bois. Donc voilà, donc là ben, la partie est terminée, donc on va compter les points. Ici je suis arrivée jusqu'à la case 8. Ici je suis arrivée jusqu'à la case 12. Là jusqu'à la case 11. Jusqu'à la case 6. Donc 20, 31, 37. J'ai 8 points pour ça. Et là j'ai 3 points et 3, ça fait 6. Donc 20, 31, 37, 37 et 14, 51. Donc 51, je me situe en chevalier. Bon, c'est le quatrième palier sur 8. Bon, c'est moyen, on va dire. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute. À bientôt.